Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Monsieur le directeur de l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Monsieur les directeurs adjoints, très chers enseignants, honorables invités, amis étudiantes et étudiants, bienvenue à vous tous sur notre campus pour la deuxième étudiante du Salon de l'IAF. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole devant vous aujourd'hui pour partager cet heureux événement. Je tiens, en mon nom personnel et en nom de l'ensemble des étudiants de l'Association marocaine des élèves ingénieurs agronomes, à adresser nos remerciements les plus chaleureux à son Excellence Monsieur le Ministre pour sa présence parmi nous aujourd'hui et qui témoigne son intérêt continu et renouvelé à toutes nos activités. Toute notre reconnaissance envers Monsieur le Directeur de l'Institut pour son implication sans faille dans l'ensemble de notre vie étudiantine. Nos chaleureux remerciements l'adresse aussi de Monsieur Nossaïd Légui, notre directeur pédagogique, qui nous a apporté toute l'aide et le soutien nécessaire à la réalisation de ce forum. L'édition de cette année revêt une importance particulière, compte tenu des nombreux enjeux auxquels nous sommes confrontés, notamment celui concernant le défi majeur, à savoir la souveraineté alimentaire de notre pays. Dans cette optique, le choix de notre thématique, sécurité ou souveraineté alimentaire, quel paradigme et quelle trajectoire à l'aube de la crise climatique, constitue une urgence exigeante pour faire face aux nombreux défis auxquels notre pays est confronté. Je formule le vœu que ce forum participe activement à la réflexion et à la mise en place de nouvelles perspectives orientées vers des actions concrètes pour le bien-être de notre pays et plus globalement celui de la planète. Merci à vous tous d'être venus nombreux aujourd'hui pour votre présence parmi nous constitue la garantie que notre forum connaîtra tout le succès que nous espérons. Merci à vous tous.